Ok, bonjour à tous, ici Stéphane Bollard, passionné du trading et du monde de la finance en général. Alors aujourd'hui, vidéo sur écran, pourquoi ? Parce que j'ai envie de parler un petit peu à mon tour du Bitcoin. Alors évidemment, le Bitcoin, c'est quelque chose qui aujourd'hui envahit Internet, envahit les médias, enfin un petit peu moins maintenant, mais du moins fin d'année 2017, c'était Bitcoin, 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 ok. Alors bien évidemment, il y a ceux qui disent qu'il faut acheter du Bitcoin, il y en a d'autres qui disent qu'il faut surtout pas acheter du Bitcoin, et il y en a d'autres qui disent qu'il faut rester très prudent vis-à-vis du Bitcoin. Moi, je fais partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'il faut rester très prudent vis-à-vis du Bitcoin. Alors on va regarder un petit peu le graphique, on va essayer d'analyser tout ça. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de manière objective. Je tiens à préciser que j'ai aucun Bitcoin dans mon portefeuille, hein, c'est-à-dire que j'ai pas acheté un seul Bitcoin depuis l'arrivée sur le marché du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup trop tard. Il y a eu un moment, effectivement, c'était intéressant, notamment mi-novembre. On va le voir tout de suite après. Déjà, j'ai toujours été un petit peu pessimiste. Bon, j'ai vu le graphique. Quand j'ai vu le graphique, j'ai vu que c'était déjà trop tard. C'était déjà bien perché. Et donc pour moi en tout cas, je vais pas vous dire qu'il faut pas acheter de Bitcoin, mais pour moi le Bitcoin n'est plus intéressant à l'heure actuelle. Alors on va regarder un petit peu le graphique. Donc là c'est le graphique Bitcoin dollar, Bitcoin USD. Donc ça veut dire que là le graphique établit le prix en dollars d'un Bitcoin. C'est-à-dire que ici à l'heure actuelle, le Bitcoin vaut, on le voit ici, 14 974 dollars. Bon. Sachant qu'il valait 20 000 dollars mi-décembre. Donc ça, c'est le premier point. Alors on va regarder un petit peu, on va essayer d'analyser le gros mouvement de hausse. Le gros mouvement de hausse, il s'est fait où ? Il s'est fait à partir d'ici, à partir de mi-novembre, jusqu'à mi-décembre. Et le mouvement de hausse, il représente quoi ? Il représente, celui qui a acheté en cassure ici, il représente une hausse de 140% jusqu'au plus haut. Et si on regarde un peu plus loin, celui qui a acheté par exemple en juillet 2017, la cassure ici qui était intéressante aussi. Ta 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 ta. Bon, là on a fait quand même du 500%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même 500% en 6 mois. 500% en 6 mois, bon, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire, vous investissez au mois de juillet, vous investissez une grosse somme, vous faites 500% en l'espace de 6 mois. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'actifs qui permettent de gagner 500% en l'espace de 6 mois. Là, je suis d'accord. Ensuite, déjà, il fallait savoir que ça allait monter de 500%. Hein, c'est-à-dire, bon, aucun actif peut être prévisible, peut être à 100% prévisible. En revanche, le Bitcoin, c'est quand même un des actifs qui est le moins, pour ma part, le moins prévisible possible. Hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un actif... Il n'y a pas de réels facteurs fondamentaux qui expliquent ou du moins qui appuient la tendance, l'énorme tendance haussière du Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va essayer d'analyser un petit peu le phénomène de hausse ici. De hausse qui, pour moi, bon, depuis le mois de juillet, pour moi, on est clairement entré dans une bulle spéculative. Et je vais vous expliquer ça, je vais essayer d'argumenter ça avec un seul exemple. J'en ai plusieurs, mais je vais me concentrer sur un seul exemple qui, pour moi, est déjà bien assez pertinent. Donc, on va essayer d'analyser ici cette croissance exponentielle du Bitcoin. Alors, on va regarder mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Alors, je vais vous inviter à aller sur Google Trends. Google Trends, c'est quoi ? C'est ça. Vous tapez Bitcoin et là, ça vous donne l'évolution des recherches sur l'année à partir du 15 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017. Alors, regardez ici. Ici, c'est le début de notre bulle sur le graphique. Enfin, du moins, c'est le début de l'énorme tendance haussière. On est le 19 novembre, 25 novembre ici. Donc mi-novembre, ça correspond au début ici. Ensuite, elle se finit où cette tendance haussière ? Elle se finit mi-décembre. Et on est bien d'accord que sur notre graphique, la tendance haussière, elle se finit mi-décembre, hein, 17 décembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour moi, c'est très clair. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à s'intéresser au Bitcoin à partir de mi-novembre. Ils ont certainement vu notamment les pubs sur internet, les pubs qui clignotaient pour les CFD, acheter du Bitcoin, devenir riche avec le Bitcoin, devenir millionnaire avec le Bitcoin en investissant seulement 100 euros de base. Voilà, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez certainement vu des publicités comme celles que je viens de décrire sur internet. Hein. Bon, je vais pas aller vous montrer des exemples, mais en tout cas, c'est assez énorme.
et pour moi, c'est la définition d'une bulle spéculative, c'est-à-dire quand tout le monde se met à connaître un actif, parce que voilà, le Bitcoin est devenu vraiment connu à ce niveau-là, vous voyez, on le voit ici avec l'évolution des recherches, hein. C'est-à-dire que si les gens recherchaient le Bitcoin, c'est qu'ils ont pris connaissance du Bitcoin, ils se sont mis à rechercher, et ils ont pour la plupart acheté du Bitcoin. Donc ici, en fait, toute cette hausse, c'est quoi? C'est un phénomène pour moi de bulle spéculative, c'est un phénomène de comportement moutonnier qu'on appelle ça, c'est un phénomène de momentum. Voilà, donc la seule explication de la hausse ici du Bitcoin, c'est l'arrivée en masse des particuliers sur le marché, tout simplement. Et comme tout le monde disait qu'il fallait acheter le Bitcoin, notamment tout le monde sur Internet, je veux dire les pubs sur Internet, tout ça, eh ben tout le monde a acheté du Bitcoin et voilà. Alors ceux qui ont acheté ici, ils ont profité de la hausse, très bien pour eux. Ceux qui ont acheté ici, ils sont en train de se faire massacrer s'ils sont pas déjà morts. Hein. Bon, je pense qu'il y en a. Ceux qui ont acheté ici, 95% sont déjà morts. Hein. Ceux qui ont acheté ici avec une optique investissement, donc qui n'ont pas pris l'effet de levier, eux, ils sont peut-être encore dans la course et ils ont peut-être une chance de, comment dire, d'être rentables sur cet actif, hein, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je vous dis, il faut rester très prudent au niveau du Bitcoin. Moi, c'est clair et net, j'en achèterai pas. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Et je vais revenir là-dessus après. Et donc voilà, donc ceux qui ont acheté dans une optique investissement, eux, bon, ils ont encore une petite chance. Ceux qui ont acheté ici avec un effet de levier, avec un énorme effet de levier, par exemple, qui ont acheté pour 50 000 euros de Bitcoin alors qu'ils avaient 10 000 euros sur leur compte, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, c'est clair qu'ils sont déjà en dette. Hein. S'ils ne sont pas sortis de leur position, ils sont déjà en dette. Ils ont, pour la plupart, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. À cause de cette baisse, hein. On est ici sur du. Ceux qui ont acheté ici, on est quand même sur une perte de 45%. C'est quand même relativement volatile, relativement énorme. Hein. Voilà, alors pourquoi je dis rester très prudent au niveau du Bitcoin? On est bien d'accord qu'on a tous, entendu le gouvernement de la Chine. Grosse alerte au niveau du Bitcoin. Je ne sais même pas s'il n'y a pas une interdiction pour les Chinois d'acheter du Bitcoin, il me semble. On a, je crois, la Corée du Sud. La Corée du Sud également. Qui, je ne sais pas si elle a interdit les Bitcoins. En tout cas, émis une énorme alerte. Ensuite, plus récemment, on a le directeur de la Banque de France. Bon, logique, directeur de la Banque de France qui a mis une grosse alerte. On a encore plus récemment le chef de l'État indien. Le chef de l'État indien qui également met une grosse alerte sur le Bitcoin en disant que c'est un actif pourri, qu'il ne faut pas acheter de Bitcoin. Donc évidemment, tout ça, c'est ce qui alimente la baisse depuis... quelques semaines. Hein. Donc voilà, pour moi, grosse prudence, pourquoi on a de plus en plus de chefs d'État qui mettent des pancartes attention au niveau du Bitcoin. Alors, je vous dis ça maintenant, mais c'est pas impossible qu'on ait demain, la semaine prochaine, qu'on ait dans un avenir proche, des chefs d'État qui vous disent « c'est génial le Bitcoin, achetez du Bitcoin ». Ça, c'est pas impossible. Je veux dire, il y a énormément d'États, enfin, il y a 250 pays dans le monde à peu près. Il y en a peut-être un qui va dire et qui va influencer. Donc si c'est un tout petit pays, évidemment, ça aura beaucoup moins d'influence. Si c'est les États-Unis, si c'est Donald Trump qui poste un tweet en disant « Achetez du Bitcoin, c'est génial, le dollar c'est de la merde, achetez du Bitcoin », bon, c'est pas... peut-être pas en disant que le dollar c'est de la merde, mais c'est... en tout cas, c'est pas impossible qu'il y ait une news qui tombe dans ce sens-là. Hein. C'est pas impossible. Aujourd'hui, tout est possible. Hein. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la tendance géopolitique aujourd'hui, les chefs d'État sont plutôt dans le sens d'interdire, enfin, en tout cas, pas forcément d'interdire le Bitcoin, mais de mettre une énorme alerte sur le Bitcoin et essayer d'avertir les gens avant qu'il ne soit trop tard. Mais bon, pour moi, il est déjà trop tard. Hein. Il y a déjà énormément de monde qui se sont fait massacrer sur le Bitcoin. Donc voilà, donc pour moi, c'est tout ce que je voulais dire. On a analysé la bulle, donc j'ai bien voulu essayer de faire comprendre pourquoi moi je pensais que c'était une bulle spéculative. Je pense que vous avez bien compris, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun paramètre fondamental qui nous permette d'appuyer la hausse exponentielle du Bitcoin. La seule chose qui nous permet d'appuyer la hausse du Bitcoin, c'est l'évolution des recherches, notamment sur Internet, donc l'évolution, la prise de connaissance de plus en plus, de la masse de la population qui s'est mise à acheter du Bitcoin en quantité. Donc c'est pour moi la seule raison de la hausse du Bitcoin. Donc c'est l'achat massif, c'est le comportement moutonnier, c'est le momentum, c'est le, comment on peut appeler ça, c'est la bulle spéculative tout simplement. Hein. C'est-à-dire on voit le Bitcoin,
Tout le monde dit que c'est sympa, on achète en masse et automatiquement, plus il y a de demande, plus le Bitcoin monte. Voilà, donc comment je peux conclure cette vidéo? Je conclurai cette vidéo simplement en disant qu'à côté de ça, on a quand même les monnaies, on a quand même le dollar, on a quand même l'euro, on a quand même tous les États qui utilisent ces monnaies, on a quand même une reconnaissance envers ces monnaies-là. Et on aura énormément de mal d'implanter et de remplacer ces monnaies qui sont déjà bien bien implantées, qui sont reconnues par tout le monde, qui sont ancrées des gens, de la population mondiale, tout simplement. Ces monnaies-là auront énormément de mal à se faire remplacer par des crypto-monnaies de type Bitcoin. On est bien d'accord. Ayez bien conscience aussi que les États ont un énorme... Alors, il y en a énormément qui disent que l'État n'aura aucun pouvoir sur le Bitcoin, c'est décentralisé, tout ça. Je veux dire, l'État a quand même énormément de pouvoir. C'est-à-dire que l'État, s'il veut interdire le Bitcoin dans son pays, ils interdisent le Bitcoin. Si tous les États se mettent à interdire le Bitcoin n'existera plus. Donc on est bien d'accord que ça a beau être décentralisé, si l'État ne veut pas du Bitcoin, il n'y aura pas de Bitcoin, point barre. Donc le Bitcoin, ça peut être ici, et ça peut finir ici, hein. Ça peut finir à zéro, ça peut finir rayé de la carte. Ok, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire d'où vous en êtes, ce que vous pensez du Bitcoin, tout ça. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao, bye bye.